La puissance de nos cœurs nous pardonne tellement d'erreurs. Quand l'amour vient chasser les peurs, quelle est ta vision du bonheur? Parlons de sensibilité, une faiblesse dans notre société. Si t'es en colère, c'est de l'ego. Et si tu pleures, tu en fais trop. Mais moi, ce que je pense en vrai, c'est que ta vulnérabilité, c'est ce qui fait ton humanité. Et c'est ok d'être touché. Qui est le plus fort? Qui a raison? Qui a tort? Et si la vraie question, c'était comment aimer? À la lumière de mon cœur, je vois le monde, j'éclaire les ombres pour co-créer un monde meilleur. L'amour est universel, inconditionnel, pour connecter les âmes entre elles. Vivons dans l'instant présent, la joie de notre âme d'enfant. Faut pas montrer que t'es touché, sinon les autres vont te juger. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? C'est ça qui fait qui on est. On est humain et imparfait, des frères et sœurs, nous sommes liés. L'énergie qui circule en toi, c'est la même qu'elle ou lui ou moi. Et à la fin de ton chemin, regarde, c'est l'amour que tu retiens. C'est bien qu'il a son importance, alors gardons cette innocence. Qui est le plus fort? Qui a raison? Qui a tort? Et si la vraie question, c'était comment s'aimer? À la lumière de mon cœur, je vois monde, j'éclaire les ombres pour co-créer un monde meilleur. L'amour est universel, inconditionnel, pour connecter les âmes entre elles. Vivons dans l'instant présent, la joie de notre âme d'enfant. Cœur, je vois le monde, j'éclaire les sons pour co-créer un monde meilleur. L'amour est universel, inconditionnel, pour connecter les âmes entre elles. Vivons dans l'instant présent, la joie de vivre.